aujourd'hui à The Funk Life. On s'en va étudier avec un tuteur, parce que la vie peut pas toujours être le fun. On s'en va à l'impro ce soir. Mais tout d'abord, on va aller apprendre à conduire avec mon paternel, l'être qui m'a créé, mon puff daddies, dans le pick-up jaune. Ça en est bon, là. Je suis moins nerveux. Si je te dis en première, c'est parce que t'es pas en première. Et t'as trois. Le plus gros problème à cet âge-là, c'est que même quand tu me dis faire quelque chose, il t'assigne pareil. Change, t'es en troisième. Non, je suis en première. C'est ça le problème avec tes parents, t'sais. C'est qu'ils acceptent pas que tu fasses des erreurs. Toujours parfait. La conduite, c'est plus difficile qu'on pense. Oh, wow. Change de vitesse. Voyons. Mettons ton clignotant, un petit peu plus de gaz, mais reste concentré. Oui, père. On rentre dans un monde d'adultes. Très bonne conduite. Donc, on s'en va. Devenir intelligent à SOS Études avec Julie, prof d'histoire et de français. Donc là, tu vas lire le magnifique texte qui est ici. On va répondre à une petite question. En 1993, le taux de chômage pour les jeunes... J'ai pas compris ce que j'ai lu. J'ai rien compris. Grâce à toi, je suis moins cancre. La soirée est jeune. On s'en va faire un match d'impro avec mon capitaine Simon Blanchette, la présidente de la FLIG, Anne-Sophie Dauzois, un des joueurs dans mon équipe, Jean-Sébastien Houle. On s'en va rocker la place. Mesdames et messieurs, bon quatrième match de la FLIG. Non seulement ils sont nombreux, mais ils sont faits avec du son. Qu'est-ce que je dis, c'est la tendance? À la semaine prochaine, tout le monde! C'est Pierre-Luc.